Joseph Félix Badio, qui gagne 60 l'année, c'est la police nationale d'Haïti qui confirmait une nouvelle là à hier, jeudi, en DCPJ. DCPJ, en tout cas, t'as pas cherché citoyen ça pour implication présumée li nan assassinat président république là, Jovenel Moïse. C'était 7 juillet 2021 passé à la Kaili, dans la commune Pétionville. Assassinat, tentative assassinat. C'est principal ak vol exam, c'est principal chef accusation qui a pesé sous dos Joseph Félix Badio, qui depuis hier jeudi a trouvé li en bas contrôle DCPJ. C'est commissaire responsable commissariat Pétionville Jacques Mackenzie en personne qui était avec li plusieurs policiers commissariat Pétionville qui a arrêté Joseph Félix Badio en dedans Big Star Market dans Pétionville hier après-midi. Et juge de paix Clément Noël qui t'a fait constat présumé assassin à machine l'étape conduisant pas de joindre aucune pièce identité sous lit. Donc les hommes des monsieur côté pièce lit monsieur dit bous li pèdi pendant il a pas arrêté là. Pourquoi la police t'a pris non bas du cathédrale. Alors c'est vraiment du guerrier. Bon, selon la police selon juge de paix, hein, c'est vrai Badio. Oui, d'ailleurs, m'a dit monsieur comment il est, monsieur dit c'est Joseph Félix Badio. Mais ouais. C'est pas pour une fois que non, qui a gagné même non. À pas qu'on a qui devine la que Johnny Ferdinand. Johnny Ferdinand, oui. Il est Johnny Ferdinand. Aïe aïe. Non, ouais. C'est qui doit aller Joseph Félix Badio. C'est bon citoyen. Bon, je vous dis quoi guerrier. Parce que il y a deux avis de recherche qui te sorti. Yon les Jovenel fait mourir. Mkwe commissaire gouvernement et d'alors là, vous comprenez qui tape tant de quelques mounes. Et puis, yon l'autre avis de recherche qui te vient sorti après DCPJ te fin produit la police ou assassinat président. C'est deux photos. Directement. Il semblait. Mais Badio Zalang yo présenté a pas rien pour avec. Non mais il faut que soit vidéo recherche là. Alors ça Gérald te dit Walter Kadibo. Il a arrêté Joseph Félix Badio hier mais qui l'a arrêté deux monde sur photo. Non. Non mais ça qui passé c'est que Gétan gagne 2 ans qui passé sous assassinat et pas gagne qui connaît tout depuis qu'il est photo ça utilisé il a servi. Non toi qui beaucoup plus sérieux. Oui. Comme on est qui bon on va dire caval parce que monsieur dit pas dans maron lui-même. Si négatif pas dans maron on peut dire dans maron. Oui. Monsieur quitte cheveux, moi monsieur quitte babi. Oui, monsieur quitte. Pour me dire si c'est monsieur. Mhm. Il a retiré babi de cheveux. Babi. Non, alors oui. Donc monsieur changé et on dit monsieur quitte babli. Ouais. Coiffure donc monsieur quitte cheveux, il a pas donc oui, ça veut dire moi-même citoyen ça c'est beau comme pas connait monsieur avant. Même t'as croisé avec ça, pas capable d'identifier par rapport à photo yo. Jamais. Ouais, l'étape difficile. Ouais. Oui, il quitte elle. Yeah. Oui. Et puis tout à l'heure, maman vient avec information ça après. Oui. Juge de paix Clément Noël qui t'a fait constat à présumé assassin avec toute machine li tap conduisant pas de jeune aucune pièce sous lui puisque c'est dans le commissariat Pétionville là que il a fait constat et a verbalisé li. Toutefois Badio confirmé li c'est Joseph Félix Badio li habité Delma 40B numéro 29 la caille papale qui relait Joseph Fontus Badio qui mourit dans mois septembre 2023 dans pays États-Unis et li dit tout li habité dans zone Claircine 4 numéro 20 commune Tabac yon kay li té loué sa gagné 6 ans et gagné yon côté Dieu qu'on a l'acheté dans zone pas connait yon pas connait c'est mandé ça oui juge policier qui dit depuis Claircine yon antenne du monsieur yon monsieur dans là et puis dans Claircine l'acheté au gouvernement OK mais ça j'ai l'acheté manger. Oui, oh, l'acheté manger. Okay. Il dit l'aime ça l'acheté. Il dit m'a acheté plusieurs manger, 4 5 6 manger. C'est quoi? Monsieur qui a marché pour quoi le tout? Parce que selon ça vous dit, il y a 3 monde qui était avec monsieur Gétan. Oui, alors c'est ça monsieur dit. Hein? Ouais, parce que la police pas capable de vérifier ça. Ouais. Parce que m'apprendre que c'est l'aime ça sorti dans maquette là, il a gagné sa chaîne en main.
Donc c'est là ça et commissaire là qui était en au courant et campé en face monsieur. Ouais, monsieur Guélet a fait tentative tout pour l'échapper. Ouais, mais commissaire a dit sous courir. Oui, commissaire était là. Mais bravo à monsieur Petitville. Oui, commissaire Petitville était là en personne dit sous courir citoyen qui a dit des bagages qui arrivent. Donc monsieur est obligé poser lui. Mais il y a des gens qui a posé question est-ce qu'ils sont coïncidents guerriers comme si c'est joué à pour prendre la rue et comme c'est bon mais moi connais ça ça toujours arrivé il y a des gens qui disent est-ce qu'ils sont coïncidents tout c'est pas d'Ariel pas dans pays là ouais il va là il Canada et voilà il pas dans pays là il mais bon même c'était toujours avant de me l'acheter manger les amis tout temps peut-être que n'importe quoi croisa monsieur ou bientôt et n'importe quoi gagne antenne sur lui monsieur dit la police monsieur dit pas monsieur dit pas dans marron tous les mêmes monsieur dit pas dans marron moi m'ka confirmer ça monsieur pas dans marron parce que y a plusieurs monde qui parle avec qui dit monsieur dans ville là mais côté monsieur passé mais côté monsieur passé vous comprenez moi même moi pensais me gagner élément même pour me confirmer que monsieur pas dans marron monsieur dit dans pays oui non monsieur était là tu veux prendre monsieur oui seulement ça monsieur quitté c'est peut-être babiole quitté pour bouillé monde mettez au sous doute oui pour monde qui pas te connaît bien ouais OK Joseph Félix Bad six téléphone là même oui six téléphone passé c'est Mr Kounatel et j'ai six téléphone bon on a là Android depuis 4 tiers de me baiser oui chaque bon sim différent oui bon sim et comme tout que rejoindre bon comme je dis tu gagne 6 monde 3 monde avec est-ce que chaque monde a un téléphone? Ouais. Qui monde qui est avec monsieur? Non, pas connaît. Mais j'aime dire la police dit qu'il pas trop remarqué personne monde avec monsieur. Donc, monsieur était à bord d'une machine Chevrolet noire l'année 2005. Plaque là c'est AA05432 qui est sous nom d'un certain Marie-Patricia Jean-Gilles. On pourrait ménager les et nous pas connaît alors et selon ça l'a déclaré c'est à pas belle seule c'est comme si c'est acheter machine là ouais comme ça depuis un bon bout de temps OK et c'est ça l'a dit et dans machine ça la justice joigne j'ont dit Johnny 6 téléphone portable yon 4 sim compagnie Natcom yo joigne tout on liste téléphone qui n'ont papier et dans machine là je nous prier. Ouais, j'ai regardé petit prier li dans poche li. Oui. Petit prier dans poche li qui écrit en français et puis il rejoint une licence Florida. Alors Florida aux États-Unis, qui sont Kawena Jean-Gilles et qui a expiré dans l'année 2027. Hein? Et il semblait et l'on regarde licence sans pas de moto. On va monter licence non. Hein? On a toutes les formations. Licence là, yo envie ça. Mais oh, Pégaï ça veut, non? Ça veut dire Pégaï ça veut. Pégaï, c'est M. Kembel pour les identifier là. Pour identifier là au Kembel. Mais pour moi-même, son choix, monsieur fait, là, j'ai pièce d'identité. Oui. Parce que si jamais un checkpoint cap fait, par exemple. Au revoir. Yeah, monsieur. Oh, ouais, regardez, vrai. Il semble, regardez, pour regardez, moi. Les gars disent, c'est Florida, la vive, donc, il vient là. Oh, ouais. J'aime monsieur quitter Bablia, effectivement. Il vient faire le gain très. Même si on a un sac sous photo. Il dit, on est en diaspora. Comment on blend ça? Driver license? Attention, anglais. Jean-Gilles Carénard. Monsieur, c'est rentré, il y a 2-3 jours dans le pays. Il y a 2-3 jours dans licence Florida. Licence Florida qui nous mené. J'aime monsieur qui te cheveux. Avec Bablia, il vient de balle très. Moun qui sous licence. Comme moun yon a un chance well, c'est en face de moi, je vais peut-être faire une description ça. Donc pour moi-même, monsieur, qui a fait un choix que le marché sans pièces d'identité pâle. Pâle. Vous comprenez? Et puis l'utiliser et licence ça. Vous comprenez qui sont licence au monde qui vivent en Floride. Vous comprenez? Pour l'identifier, peut-être si la police qui est bien. Oui. Vous comprenez? Dans le pays là. Ouais, ça me dit là. Donc, oui. Même gens aux États-Unis. Et parmi son équipe de l'enseignement. Oui, les comptes ça le fait. Les comptes ça le fait. Ou qu'a conduit avec licence Haïti, ouais, pendant quelques jours. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est.
improvisé. Ok, Félix Badjo qui déclarait li te gen akli nan machine nan trois l'autre moun mais qui était couru pendant un moment arrestation fait qu'on est li pa jom nan maron donc li pa responsable si la police pa t'arrête elle. DCPJ faut que nous dit à travers rapport li yo présenté Joseph Félix Badjo comme yon nan suspect clé dans complot assassinat chef l'état Jovenel Moïse. Badjo déclaré ba juge de paix qui t'a fait constat li pa gen rien pour nan assassinat président Jovenel Moïse. Il faut que nous disions, d'après rapport des CPJ sur dossier ça, Joseph Félix Badjo était en contact deux fois dans la même soirée criminelle avec plusieurs monde et parmi eux, il y a un numéro de téléphone qui est enregistré sous nom Ariel Henry, la compagnie Digicel. Donc c'est ça qui était dit. Premier ministre. Premier ministre. Oh, parlons de Premier ministre Ariel Henry. Est-ce que nous songez, il y en a sorti pour ma demande si ce n'est pas la première sortie médiatique. Docteur Ariel Henry était fait. C'était dans le micro Gary Pierre-Paul Charles. Il faut chercher à extraire ça. Parce que Internet a la bonne possibilité pour nous faire des archives. Non. Le Gary Pierre-Paul Charles a posé monsieur question sur. Mes amis me disent, monsieur, désolé, autorité chef. Docteur Ariel Henry, question sur non Badjo qui cité, sur non relation avec Badjo. Pour pas monsieur, confirmé, Badjo est bon ami. J'ai confirmé ça, il compte Badjo très bien. Mais deuxième bas, monsieur, t'a dit. Monsieur dit que Badjo le connaît, il va pas la porter dans la comme ça. Oui, ou bien, ce qui ça dit pas le game, il va gagner. Il regarde la guette envoyée le bon moment. Monsieur t'a dit ça clairement. Monsieur t'a dit Badjo le connaît. Est-ce que déjà, face à face, où est Badjo? Badjo, son monde connaît. Moi, c'est qui me dit par contre Badjo? Un pays, même pareil, face à face. Badjo, Mais là où tu sais, monsieur, monter toute opération, ça. Badjo, pas qu'à monter opération, ça. Je ne sais pas s'il participe là-dedans, non, mais c'est pas Kali. C'est de façon claire. Moi, non. Nous, nous connaissons pas toute capacité, ça. Non seulement nous n'avons pas de capacité, mais même économiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Enfin, moi, je ne vais pas peut-être faire une bataille la police et la justice. Pour la question que, quelles sont vos relations avec Michel Martelly? Parce qu'on dit que c'est Michel Martelly qui avait facilité que, ou même le Premier ministre, avec les discuter avec Jovenel, et lui-même dit président Jovenel, c'est Dr. Ariel Henry que lui-même livré. Qui sont qu'à 10 pays à ce qui sont ça? Premier bail qui est, monde qui est le premier monde qui a proposé président Jovenel. Ok. Autant de Tibatia. Autant de. Autant de. Je dis, Badjo le connaît, il n'y a pas qu'à monter toute opération. Toute opération. Et bien, il doit chercher. Il y a un point central, là, il n'y a pas passer par monsieur. Et vous dites, c'est son ancien militaire. Rapport a dit ça clairement. Rapport a dit, monsieur a long en face, quand Jovenel Moïse. Et rapport a dit, dans le téléphone, monsieur communiqué avec une soirée, il joue une parler avec un numéro d'ICL qui. C'est numéro Ariel Henry, tout au moins numéro enregistré dans Gisèle sous nom docteur Ariel Henry. Ça veut dire rien tiba yo t'a dit. Vous comprenez? Et rapport a dit c'est cerveau assassinat. Oui. Avec tout bail passé par lui. Il doit pas lig bail corps yo, pas lig bail zam yo, mais c'est lui même qui a peu. En tout cas, et c'est même gens, on diaspora qui doit l'autre bord là, ils voient les guerriers font caille pour lui ici, mais il va gagner ingénieur. C'est pas un guerrier qui bosse. Oui. Il va gagner qui a acheté, il a voué cob, il a acheté, puis il a coordonné. Oui. On voit. Il doit combattre comme ça. Pourquoi il livre ou t'as livré Badjo? Hein? Pourquoi il livre ou t'as livré Badjo? Rélé Luxon, New York Times révélé que dans ce jour-là, t'as deviné pour monsieur. Moi, avion t'as deviné débarqué. Rélé, monsieur. Rélé Luxon. Pour qu'on ait qui ça la presse américaine dit. Parce qu'on dit, nous avons un avion américain qui a dû débarquer. Il va quitter, monsieur. Vine prendre, monsieur. Il va quitter. Alors, la justice américaine déjà condamné moun dans le cadre de ça. Et nous-mêmes, ça nous fait nous-mêmes. Nous tendons à appeler le monde. Nous tendons à appeler le monde. Ok. Luxon Saint-Ville. Bonjour. Bonjour, Guerrier Dussel. Bonjour, Johnny Ferdinand. Bonjour, mettez en entour et bonjour tout le monde qui a fait des Caraïbes matin. On va continuer pour plus bien. Très bien, très bien. Alors, Johnny est en bas, on s'est calé là. Qui ça nous voulait me dire là? Alors, nouvelle là, c'est qui ça? Alors, dans un article qui sorti hier soir dans New York Times,
yo retourné sous arrestation Joseph Félix Badiou, que tout le monde connaît, qui est considéré comme un suspect clé dans le montage complot qui a abouti à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Et bien, dans l'article, ça a pris ma fonction vol. Le plus souvent, les gagnants gens de textes d'actualité, ça y en d'un texte médias américains ont traité, sous pas prêter attention, il y a des informations qui ont échappé. Sous le point de focus sur ça qui est l'élément central ou bien premier fait d'actualité, il y a des informations qui ont été antiques aux médias américains qui ont parlé de nous. Et bien, c'est dans le lit, je suis tombé sous deux petits paragraphes que m'estimer qu'il y a une nouvelle là-dedans et me dit bon partager là avec nous. Média Lelfin parle de l'arrestation Joseph Félix Badiou, implication présumée, etc. Ça qui dit dans le rapport yo, et rôle monsieur T joué dans l'assassinat de ancien président. Gayon côté dans le texte là, il dit que avocat certain accusé qui trouvé actuellement dans Miami, yo déclaré que t'as semblé gagner un acte d'accusation qui déjà scellé pour M. Badiou. Et c'est des procureurs américains qui ont même déjà déposé pour Badiou. Et dans le même paragraphe, ça, dans l'article New York Times, là, il dit il se peut, il pourrait que Joseph Félix Badiou ait été transporté par avion pour venir aux États-Unis dans le jour ou bien dans la semaine qu'il est venu là. Donc, c'est parti, ça a attiré l'attention. Et c'est New York Times qui révèle une information comme ça. Et c'est pas une information capable de prendre à la légère. Dans le même texte, ça, il dit que beaucoup de gens qui ont une charge américaine qui a annoncé contre Joseph Félix Badiou, qui, selon sa journal, l'a rappelé, gagnent un caille dans la région que les Walkland, dans l'État de New York, aux États-Unis. Il dit que Badiou et il beaucoup cité non ou bien il beaucoup nommé dans acte d'accusation même Jacques Offel pour 11 autres citoyens nous connaît que tribunal fédéral américain déjà penché sous dossier même si il beaucoup fait ça pour Badiou mais plusieurs accusés ont déclaré que c'est Badiou qui était au l'ordre pour touyer Jovenel Moïse. C'est ça New York Times lui même lui rapporté et gagné Jake Johnston qui c'est un expert dans la question dossier Haïti, lui dit Badiou te nan mi tan ça fait ça qui gen pour avec assassinat ancien président non pas parce que li susceptible pour l'état cerveau ultime la moi mais c'est parce que li semblait yon nan rare moun qui t'a capable gagner ou bien et disposer d'un ensemble d'éléments d'informations sur l'assassinat et c'est un monde qui a une implication qui est très fond dans le bagage ça. Et dans le texte, le journal New York Times juste rappelé que il y a des preuves qui montraient que Badiou était en contact avec M. Colombien qui était sous place et pour faire ça qui était passé en après rappelé 7 juillet 2021. Il rappelé tout que Badiou te gagné lien avec monsieur qui était al monter complot et dans l'état Floride Badiou était en contact avec acteur qui puissant en Haïti qui jusqu'à présent était caché que poko joignio et yo juste rappelé tout que gagné relevé téléphonique que New York Times lui même dit le consulter qui montrait il y a des appels qui étaient passés entre Joseph Félix Badiou et actuel premier ministre et Ariel Henry avant et après et assassinat Jovenel Moïse et appel ça a été duré plusieurs minutes yo chaque New York Times jusqu'à appeler et pour moi clôturer première partie intervention ça que Joseph Félix Badiou selon sa rapport et divers rapports qui fait sous dossier a fait connaître et Badiou te bail $80,000 américains avec staff garde présidentiel qui était sous place quand Jovenel là yo façon pour yo pas ni tirer ni faire aucune action dans moment opération t'a pral dérouler. $80,000 avec
Avec toute police est déroulée. Tout le monde déroulé. Oui. Donc, ça pour nous kembe dans l'information. Moi, je vais retourner sous lui. New York Times, dans un article qui sorti hier, il dit qu'il y a un avocat dans certains accusés qui actuellement dans Miami, il fait connaître l'assemblée. Il y a un acte d'accusation qui est déjà scellé pour Joseph Félix Badiou et c'est des procureurs qui déposent, le procureur américain. Il dit qu'il est probable pour gagner un avion qu'il prend Badiou Haïti pour venir avec aux États-Unis dans le jour ou bien dans la semaine qui vient là. Et pour rappel, Luxon Seville, déjà gagné plusieurs individus qui sont impliqués dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse qui est aux États-Unis. Que la justice effectivement gagné 11 que yo déjà et on dit inculpé ou accusé officiellement gagné charge kembe kont yo et parmi 11 individus sa yo gagné 3 là-dedans yo qui déjà plaidé coupable ça veut dire yo accepté yo admettre que yo t'ai participé dans complot ça qui abouti à assassiner ancien président Jovenel Moïse parmi 3 monde sa yo qui plaidé coupable gagné ancien sénateur John Joel Joseph, gagné Rodolphe Jean, qui sont anciens informateurs d'IA, et puis nous gagné Herman Rivera, qui est un capitaine retraité dans l'armée colombienne. Tous les trois nègres, ils ont déjà plaidé coupable. L'autre accusé, dans le mois qui vient, il y a bien pour yo passer devant juge pour yo dire qui ça yo connaît, est-ce que yo coupable ou bien ou pas coupable. Et qui ça t'est arrivé à monsieur comment c'est Tio? Monsieur Tio. Alors on va parler de responsable Tio. Oui, très bien. Alors responsable Tio jusqu'à présent gagné élément d'enquête yo qui d'accord dit permettre qu'il y a continué chercher responsable CTO mais et non monsieur qui échappé là toujours cité dans tout rapport et dans toute enquête que américain les mêmes les a mené. Donc jusqu'à présent moi pas gain trop éléments d'information sur responsable CTO qui jusqu'à présent c'est un élément clé dans cadre d'enquête ça que américain les mêmes les a mené. N'a pas appelé te gagner des ou des sortes qui étaient faites dans des alliés responsables CTUA et partenaires li monsieur qui était bal financement pour te recruter colombien ça ou te gagne des sortes que FBI était fait la caille yon nan monsieur ça yo donc jusqu'à présent et vous senti que américain li gonjan li impliqué dans dossier et le plus souvent monde que vous considérez comme des suspects clés eux-mêmes américains assurent que les gagnent sous territoire et c'est sous contrôle la justice pays ça pour enquête là lui-même li avancer donc n'a prêté suivre dans jour et dans semaine qui va venir là pour nous connaître si Badiou a sauté à Haïti pour venir là, qu'on est venu là, comment procédure judiciaire pour la base. Mais il y a un monde qui plaide coupable, c'est l'ancien sénateur John Joel Joseph, qui lui-même, dans la déclaration, il dit que il participe dans un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse parce que il a pris le premier ministre. C'est ça? Effectivement, dans la déclaration que John Joel Joseph fait, non seulement il admet que il était participé, il était aidé dans et facilité pour jeune zam, mais tout côté pour mercenaires colombiens ou même yoté logé, mais il dit tout il était participé dans complot ça, dans opération ça avec espoir que si Jovenel Moïse mouri, il pas là encore. Gon moun ki t'a vinn président jusqu'à présent non ça beaucoup ka meton non pour nous connait qui est-ce qui t'a vinn président et là ça c'est John Joel Joseph qui t'a pral vinn premier ministre voilà Jacob et ben merci un peu la Luxon Seville merci Gary merci Johnny merci tout le monde n'a croisé une prochaine fois voilà John Joel c'est ta premier ministre pays mon yogi prend très au sérieux elle me dit tout à l'heure et il a la police pour nous Joseph Félix Badiou. C'est ton plaisanterie. Son façon pour me dire, monsieur tellement transformé. Monsieur tellement transformé. On comprend, on vient de sentir. Si pas bien gardé, on comprend, on vient de sentir ces deux mondes différents. Entre monde qui. Pourquoi penser son pasteur? Qui n'a photo. On peut faire un pasteur. Un professeur tout. Oui. Professeur, un pasteur. Philosophe, il faut qu'on vienne voir ça. Il bab, il cheveux.
Allons-y, Félix Badjoza. En tout cas, okay. Si on va courir une bonne musique, regarde là, c'est bon mise en scène. Monsieur Badjo. Antonio Entriago. Alors, son ami qui partage ça avec moi. Oui, Jude Jean-Pierre, ok. Ok, qui dit que agent FBI possédé mardi 14 février 2023 en Floride, avec arrestation quatre nouveaux suspects clés dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Parmi eux, figuré responsable situé Antonio Entriago, situé son compagnie qui était chargé pour recruter mercenaires colombiens pour assassiner ancien président républicain. 6-7 juillet passé, donc selon document ça, oui, il doit dire monsieur t'es arrêté. Ok, peut-être on a cherché l'autre détail tout à l'heure. Oui, Johnny, pour nous capable de rentrer dans l'autre dossier. Alors, par rapport avec les documents licences que nous avons joints, je vais essayer de garder une comparaison là. Non seulement et selon ça ne comprend donc Badjo capable gagner licence là mais non seulement pour dire que le fait rentrer dans pays a donc c'est à licence ça l'a conduit mais qu'on a papier machine qui sous nom et ben moi qui sous nom Marie Patricia Jean-Gilles donc c'est Jean-Gilles pour Jean-Gilles donc c'est capable de dire ça c'est madame madame cousine ouais tout ça ça veut dire et donc, pas grand hasard vraiment dans le document que monsieur était en possession pendant que tu as pas arrêté là. Comment tu vas bien calculé. Tout simplement, tu ne pas marché avec pièce pâle. Pour moi-même, son choix. Son choix. Son choix. Ok. Conseil sécurité Nations Unies a adopté. Je dis que Spring Valley, puis mon abdim Zala, il y a des choses. J'ai un bon ami qui dit c'est à 2 minutes de Kaïli, monsieur a arrêté. Non, de Kaïli? À 2 minutes de Kaïli. Ah, ok, ok, ok. Ok. Allons-y, Badjo, ça va. Badjo a fait causer ici. Badjo a fait causer. Oui. Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui renouvelait pour yon l'année régime sanctions sur Haïti, qui gagne là-dedans yon embargo aux armes, gelé bien et puis interdiction au travail. C'est Équateur ensemble avec les États-Unis qui réécrit résolution ça sur Haïti. Après vote représentant permanent Équateur dans l'ONU, Hernan Pérez te prend la parole pour déclarer crise humanitaire, politique et sécurité haïtien qui a plusieurs dimensions et il demande une réponse intégrée. Représentant permanent Haïti à Subopal Antonio Rodrigue fait remarquer votre ça suivre approbation résolution 2699 là qui était approuvé déploiement et en force multinationale pour aider sécuriser Haïti. Réaction pas suspendre ou bien pas printemps pour tomber après Nations Unies approuvé hier jeudi une résolution qui sanctionne diverses personnalités en Haïti qui ont responsabilité dans insécurité gang dans insécurité gang améo blaï dans pays là gain acteur dans classe politique là qui satisfait concernant rapport ça même si yo pas quoi la justice a pas agi contre monde qui en bas sanction Nations Unies yo gain l'autre qui estimé rapport a pas complet parce que tu as un nom, quelques personnalités politiques qui n'est pas dans le document. Détail avec Jean-Paul lundi. Namdi, rapport ça, son bon rapport. Li complet, li pas simple rapport. Tant coup parent élève qui fin tande résultat examen baccalauréat, c'est qu'est content net alcoolé nan ke porte-parole mou pod la ak nan ke divers l'autre acteur nan classe politique la ak société civile la après votre rapport Nations Unies sous affaire sécurité en Haïti. Ancien président Michel Martelly, ancien député Thierry-Rivière Latibonite Profane Victor, homme d'affaires Reynold Dib, bref, en tout cas, lis non moun ki tombe en bas sanction pou tèt yo ta nan kokoday ak gang pa boycit long en pile. Pour André Raphaël, c'est pas une surprise. L'aptan Nations Unies publié lis la complète. Sous nom qui cité yo, nous au courant de yo déjà non ça yo. Tout monde au courant de yo. Mais ça qui intéresse nous au niveau du mot là, c'est lis là qui intéresse nous parce que dans lis là, il pral montrer gain de nom qui pas cité déjà qui la dan n'a montré tout le monde. Jean Chenet Ulysse bon côté pal estimé c'est beaucoup causé à ça. Rapport a pas complet. Li pas fin kodjom. Pour l'idée mouvement
point final là, gen kek nom ki te doué nan lis la. Tankou, ancien chef binuan Hélène Lalime li considéré comme marraine adoptif Fédération Gang yo. Il y a le nom de madame Hélène Lalime qui était présidente de Binu en Haïti et qui était la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui a contribué à la mise sous pied de la Fédération des gangs armés en Haïti. Gen yon gros requin qui pa nan filière. Sabay Jean Chenet Ulysse tête chargée. L'elle considéré bon relation régime bandit légal là qui te gen nan tête li Michel Martelly te gen a gang, dirigeant organisation sociopolitique la mandé qui Jean pour nom premier ministre de facto Ariel Henry fait pas nan tête li cela. Il y a le nom du PM Ariel Henry à plusieurs reprises qui était ministre sous le régime du PHTK, il était ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît nan pays an, être ministre de l'Intérieur. Et surtout durant période Michel Martelly était président de la République, nous connaissons que ministère intérieur c'est lui-même qui était toujours alimenté les gangs armés en Haïti. De 2015 à 2016, Ariel Henry était ministre des Affaires sociales et tout le monde connaît en pile fois pour alimenter les gangs armés en Haïti, on passe toujours par le ministère des Affaires sociales. Nous dit que le nom de Ariel Henry doit être mentionné dans le rapport des Nations Unies sur l'insécurité en Haïti. Si gen moun ki di classe politique ça tout fini après Nations Unies fin mette rapport a d'ailleurs qui montrait moun nan secteur économique ak nan classe politique là prend plaisir bay gang tété bon côté André Raphaël c'est bon bagay. Mam mo pod la rete croire kounye a population a privé distinguer politicien ak gangster ak costume qui utilisait politique pour régler les affaires yo. À partir de liste ça li pral montrer que la société a que gué de monde qui fait politique en dans pays a, c'est le monde qui honnête, c'est le monde qui crédible, c'est le monde qui croit en Haïti, c'est des patriotes tout bon vrai. Ça c'est une bonne chose, ça arrive là son démarcation qui est lié. Nous pensons que société a après notre de ça qui passe là yo, monde qui pas sanctionné, monde qui pas dans l'élection, c'est le monde qui des comportement correct envers population haïtienne là. Malheureusement Haïti pas bénéficier grand chose des sanctions ça yo Nations Unies prend contre yon latrier Zagoloraï en Haïti. C'est ça André Raphaël pensait. Régime tête calé, troisième version ak allié yo qui sous pouvoir, c'est un obstacle qui a empêché la justice agir dans le dossier ça. Avec modèle de l'État chaque, Ariel Henry et allié là dans yo, si yon là, ben nous pas besoin rien avec yo. La justice ça, les pas qu'a fait rien. Tout crime qui fait yo, on gade, je dis, yon véritable de déjeuner. Pas de monde qui a sanctionné. Y a kidnappé moun, y a tué moun en d'un pays ya, neg yo, yon senti yon plique confortable. Gade même autour d'Ariel Henry, ministre Lio, non yon rapport. 13 novembre, c'est date ça, Nations Unies apprend public officiellement liste non tout monde qui tombe en bas sanction pour connexion yo à gang en Haïti. Peuple a envie pour date ça arriver rapide pour l'ouest si autorité dans la justice a prêté bras croisés sans yo pas agir. Divers gros dinosaures dans classe politique là, dans gouvernement Ariel Henry, dans secteur économique là, qui récit contre souffrance prisonnier. Non pénitencier national. Ariel Henry, de connivence avec les gangs armés durant son règne comme premier ministre et en tant que chef du CSPN, il n'a rien fait pour éradiquer les gangs armés en Haïti. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM. Merci en pile Jean-Paul Lundi. Tout à l'heure, et guerrier t'a posé question et qui ça qui t'est fait avec responsable CTO Security. Eh bien, Lixon Saint-Ville, rappelez-nous que c'était 4 nègres qui étaient arrêtés ensemble à l'époque ça. C'est Archangel Preltel Ortiz, monsieur qui a 50 ans, Antonio Entriago, 59 ans, qui c'est maître CTO. Qui c'est un Vénézuélien et puis gain Walter Bentemia qui lui-même a 54 ans avec Frédéric Bergman 64 ans. C'est Mounza qui ont arrêté ensemble. C'est une quoi information que Luxon Saint-Ville, correspondant permanent nous depuis les États-Unis d'Amérique particulièrement. État Floride. Toujours dans le chapitre section 1, il y a un ancien secrétaire d'État et sécurité publique, là, Himmler Rebus, qui fait connaître le gouvernement Tadou écrit Nations Unies pour demander de soumettre les preuves, les disposer dans le dernier rapport, les mettre d'ailleurs, côté sanctionner une série de personnalités publiques qui ont financé gang dans le pays, ça qui d'après elle a permis de gagner action publique qui mettait en mouvement contre Mounsayo. Toutefois, ancien colonel Himmler Rebus mettait en doute capacité la justice haïtienne pour ta poursuivre une série de personnalités qui est indexée dans le rapport ça.
dirigeant politique la fait qu'on est si gouvernement pas prend disposition pour permettre la justice faire lumière sous série accusation ça yo li capable poursuivre pour complicité il me rebute à répondre question collaborateur nous Reginald Remy son rapport dans pile page la donne nous li de bagaille que me contenter déjà on pas quoi un sujet d'étonnement là-dedans donc c'est une phase une deuxième phase là faut moun qui prend responsabilité porter accusation ça capable accuser moun de manière formelle parce que un fait un rapport cité non moun et porter accusation formelle contre son l'autre bagaille soutenir non l'état normal je dis à gouvernement haïtien t'as saisi rapport ça t'as demandé l'ONU pour voir justification gagner sous chaque moun yo et t'as constitué un dossier juridique pour dire côté t'as porté des accusations formelle contre Mounio et Mounio t'a des possibilités pour paraître devant juge pour yo défendre tête. Est-ce que ça fait? Est-ce que ça a fait? Parce que qualité accusation, c'est pas qu'abrité de parole à l'air. Yo fait pour des paroles qui documentées et qui ont une décision juridique qui prend compte. Par exemple, y'a un pile de monde qui a accusé, c'est de monde qui sont des politiques. Qui a des ambitions politiques. Si par exemple, on dit faire élection, on ne sait pas dit au candidat. Comme on dit, dire, on n'est pas capable candidat. Parce que c'est la loi qui définit qui est un monde capable candidat ou pas candidat dans le pays. Ce n'est pas une parole dans la bouche. Donc, on a des droits civils, on a des droits politiques et droits politiques garantis par la Constitution, par les lois de la République. Et loi, ça veut dire que vous avez perdu le droit politique si vous condamnez à une peine affective ou infamante. Donc, si vous avez un processus de justice qui suit l'accusation, c'est non l'obéir que le pays a tombé pire depuis devant. Et moun qui a provoqué l'obéir, il y a bien raison légalement. Est-ce que nous avons condition aujourd'hui pour nous faire la justice en Haïti? On connaît que non. D'ailleurs, parler de justice là, il y a plus qu'un an et demi depuis deux bandits étaient rentrés là dans des preuves. Moun qui a dirigé le pays ou pas dit rien. Donc, comment rendre la justice aujourd'hui en Haïti? Donc, ces affaires font une structure de transition qui a une autre orientation qui est capable de résoudre le problème ça avant de venir tourner un cancer sous deux républiques là. Dans n'importe quel pays normal, le gouvernement a écrit l'ONU et a demandé les charges. Ça y est, qui élément, parce que dans tout document, il dit qu'il y a des preuves. Mais il n'y a pas qu'à fournir preuves dans le document. Donc, le rôle de l'État haïtien, c'est de demander ces preuves que capable de voir le procureur de la République, qui est commissaire du gouvernement, qui est capable de porter des plaintes formelles contre Mounsao sur le territoire haïtien, parce que tout le monde qui fait, c'est sous territoire haïtien que le crime commet. Donc, la structure de justice qui est apte à résoudre le problème, ça, c'est la structure de justice haïtienne. Mais ni moi-même, non-même, non connaît, elle pas existé. Je dis, elle n'est pas debout. Si le gouvernement haïtien pas utilisé rapport, pas utilisé contenu rapport, il aura tombé dans l'autre problème devant eux-mêmes. Parce que ce sont des accusations publiques et formelles. L'État obligé de réagir. S'il pas réagir, il pourra tomber dans une situation de complicité. Nous ne pouvons pas devant qui ça est là. Mais c'est pas une blague, bon, ça est là. Pas oublier que nous, nous avons accusation contre eux, c'est pas un pays. C'est un acte des accusations qui ont un caractère mondial. C'est de monde qui pas cap même là-bas, du pas cap bon avion arrivé là. C'est bon blague là. C'est de monde qui fiché devant les 193 membres qui constituent les Nations Unies. C'est bon une blague là. Mais si nous prenons en blague, nous avons tort. Maintenant, nous qui veut dire qui n'était pouvoir, est-ce que le cap prend chance fait ça que normalement il a supposé faire? Marronnet. C'est un très léger et très dangereux que il est à quitter passé comme ça. Les rébus qui t'a réagi par rapport avec le dernier rapport que le groupe expert humain soumet à l'attention de bien l'appréciation sur le comité section Nations Unies qui est au tabac. Oui, alors Luxon Saville qui est arrêté ensemble. Alors, il y a deux noms, Mounio dit que pas trop focus sur le rapport. Moi, je voulais dire Mounio Baye sur ça. C'est Romel Bell, il a cité dans le rapport expert avec Patrick Noramé. Mais pour ça, moi-même, je n'ai pas fait de deux noms en priorité. C'est parce que
tout ça expériodia yo juste confirmé ça ULCC te dit déjà. OK. Oui. Dans rapport nous parler de ça. ULCC te gétan dit Romel Bell fait faux déclaration patrimoine, mais qui quantité l'argent fait, mais qui business gagne pas déclaré, mais qui organisation gagne l'a fait l'argent et la trier. Ne gétan parler de ça. Patrick Noamé encore avec l'argent BMPAD avec donc BMPAD recevoir surtout de Japon du riz et yo vendre puis route la faire comme la faire route cochée avec nous t'ai parlé de ça non il se passe ça déjà donc monsieur Nations Unies yo confirmé ça qui était déjà dit et dans rapport ULCC hein? Dans rapport ULCC et t'es déjà fait sous ce dossier ça même surtout pour Petro-Caribéa. Pour Petro-Caribéa, un chapitre important que monsieur dans groupe expert même yo traité grand paquet de bail qui était dit que ce soit dans deux rapports commission sénatoriale qui travaille sur le dossier à te faire, que ce soit tout dans le rapport la Cour des comptes. Il y a qui te dit, donc expérieux, même, il juste confirmé ça. Vous comprenez? Même là, d'accord, plus gros détournement l'argent fait dans Petro-Caribéa, il fait sous présidence Michel-Joseph Mantelia jusqu'à 2016 sous privé. Ça est très clair et nous soulignons le fort dans le rapport, dans le dossier Petro-Caribéa. Vous parlez de Laurent Lamotte qui gagoton paquet de l'argent. Nous te venons parler de ça tout. Les dernières sanctions Canada te prend contre ancien premier ministre. Nous te dit, mais qui ça, vous te reproché, monsieur A, mais qui ça, vous te dit, il te fait, surtout avec un sérieux de programme social bidon, côté nous te utilisé comme stratagème pour être capable de détourner un paquet de l'argent. Qui sorti dans fond Petro-Caribéa l'argent qui était destiné à créer une base de développement d'un pays ou bien et mettre en place des infrastructures qui étaient capables de permettre au moins nous sentir à vivre dans un pays côté citoyens t'as senti qu'au moins il fait beau de vivre. Mm-hmm. C'était ça, on devait quand même attirer attention moun yo sous point ça dans dernier rapport groupe expert soumettre by comité section Conseil sécurité Nations Unies. Collectif défenseur plus eh bien, dit le bat bravo et la contentement pour publication rapport Nations Unies qui dévoile les connivences Syrie à tête politique et économique gagnée à gang dans le pays. Directeur Strictissa Antonal Mortimer fait comprendre. Rapport ça montre comment. Yon série atteint un pire au niveau l'État, te servi obstacle pour toute démarche qui visait défendre Douamoun. Militant Douamoun nan kwe, c'est moment pour la justice profiter agir contre acte accompli zak criminel yo, même s'il gen réserve sur la justice haïtienne qui d'après lui pa gen liberté pour travailler sans passeport. Qui nous invite au côté Antonal Mortimer qui te parle dans micro collaborateur nous Max Stanley Levé. Écoute, am jeune pour qui raison travail organisation Douamoun yo, travail média yo pa gen effet parce que moun ki pou fè et qui pour faire revendication au passé, qui pour satisfaire les revendications, ou bien qui pour garantir justice, liberté publique, liberté individuelle, les droits fondamentaux, et eux-mêmes, ils sont des véritables prédateurs des droits, ou bien majorité là-dedans. Bon, pas moins dit, en passant, jusqu'à ce que un tribunal dans le pays, ou bien un tribunal qui fait pour ça, les prononcer en jugement, nous devons quand même considérer mon yo comme présumé coupable ou bien présumé innocent. Mais nous sommes capables de noter tout gain allégation contre yo. C'est pas parce que les États-Unis réfraction ou bien Canada réfraction, bien c'est pas parce que mon groupe expert et Nations Unies nommé mais non enquête pour nous connaître des mouns qui ont nommé non yo non ça a passé dans la Syrie Tibonite. Pour nous connaître, il y a des gens dans le pays qui ont créé ou bien supporté le groupe gang qui empêchait les gens de traverser Matissan, qui empêchait l'autre groupe qui empêchait les gens de traverser Malpas pour aller au Dominicaine, qui empêchait les gens d'aller au plateau central, qui empêchait les gens d'aller dans la zone cabaret à Caye, et l'autre gang qui est dans la zone Pétionville, qui est là qui toujours revendiqué au proche pouvoir. Yo dit ça dans micro journaliste, yo parlé avec des groupes, des blogueurs ou bien des influenceurs sur les réseaux sociaux pour dire mais pour qui est-ce qu'il travaille? Yo pas fait que ça. Donc parole ça yo, il y a des mouns au nom au niveau défenseur plus, nous pas étonnés de certains mouns dans l'islam. Il y a un moun, moi pense que dans l'état actuel que la justice est là, la justice et même tous les gangrenés par la corruption, même les des bons juges, même les des bons commissaires de gouvernement, qui des bons avocats, qui des bons greffiers, qui des bons huissiers dans ce système judiciaire-là. Mais globalement,
façon la justice qui est sous coupe réglée gouvernement. D'ailleurs, c'est le gouvernement de facto qui nomme juge en cour d'appel, c'est lui qui nomme juge à la cour de cassation d'une manière illégale et irrégulière, inconstitutionnelle. Lui-même permet peut-être mon CSPJ qui a opéré, qui a presté l'argent de l'État, ça n'a pas pris rien, ou bien qui a pérennisé la corruption certaine là-dedans. Pas certain que la justice qu'il a une capacité dans l'état actuel pour faire des procès équitables, mais moi je pense qu'il y a des magistrats qui ont volonté, et si ils ont un moyen, ils ont un encadrement, ils sont capables de commencer à enquêter sur des dossiers, et les gouvernements ça, qui parlent, qui lui-même a tout qualificatif qui dans ça qui n'est pas bon, bon, probablement la justice est capable de libérer tête libre pour lui mener des dossiers sur des mondes qui impliqué dans des crimes financiers, crimes de sang, des crimes sous bien public, ou bien crimes sous des tueries qui semblaient avec des massacres et même des actions qui semblaient avec des atrocités qui n'ont pas qualifié crimes contre l'humanité qui fait en Haïti, crimes contre l'humanité qui fait en Haïti. Donc nous pensons qu'il y a des possibilités pour des gens répondre à la question de la justice.